Monto Di Pazzo, Daniel Lazenec, bonjour. Bonjour Patrick. Nous sommes au Temple de la Paix Suprême, à Échassières, dans l'Allier, centre de la France, en avril 2024. Et nous avons reçu plusieurs questionnements, remarques concernant la pratique et la voie du zen. Et nous aurions voulu aujourd'hui pouvoir te les présenter et voilà, avoir ton point de vue sur ces différents aspects. Alors, nous avons une première question qui est, pour ma part, je perçois et j'aimerais demander au maître d'expliquer le concept de base, le Bouddha. D'après l'expérience de mes interlocuteurs, je sais qu'ils perçoivent Bouddha comme une personne physique de Siddhartha Gautama. C'est d'ailleurs ainsi qu'il est présenté aujourd'hui, par exemple, dans Wikipédia, Gautama Bouddha. C'est aussi ce que j'ai pensé pendant très longtemps, mais aujourd'hui, je perçois le Bouddha non pas comme une personne physique concrète, mais comme une divinité. Le maître peut-il s'exprimer sur ce sujet? Cette question triviale peut vous faire sourire, mais pour ceux qui s'engagent sur le chemin et pour les autres, je la considère comme une priorité. En sanskrit, Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Alors, c'est un terme qui n'est pas... qui ne correspond pas à ce terme qui est utilisé beaucoup aujourd'hui, à notre époque. On parle de gens éveillés, en fait ce sont des gens qui ont conscience de, par rapport au moment où ils n'avaient pas conscience de, on a entendu ça beaucoup socialement être utilisé pendant ce qu'on appelle la crise Covid, où des gens qui se sont renseignés sur telle ou telle histoire parallèle à ça, ou antérieurs, et sont présentés comme des gens éveillés. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est pas avoir conscience de situations sociales, de processus sociaux. Là, il s'agit de Siddhartha Gautama, donc il y a maintenant un grand nombre d'années, donc de siècles, puisque c'est 2600 à peu près d'années. Donc c'était un Népalais. À l'époque, je ne sais pas si ça faisait partie de l'Inde ou d'un royaume de je ne sais pas quoi, mais enfin bon, maintenant on se situe au Népal. Et cet homme-là a fait une recherche profonde et qui est devenue essentielle dans le processus d'évolution humaine. Et il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le bouddhisme, un isme qui s'est rajouté à la racine sanscrite d'être éveillé, qu'on appelle Bouddha. Donc, il s'agissait d'un homme. Et comme souvent dans l'histoire des êtres humains, quand il y a des messages d'une certaine profondeur, les générations qui suivent, pour certaines raisons, dresse de ces êtres un peu hors du commun, quoi. Une sorte de déification ou de deviennent des divinités, quoi, effectivement. Or, c'est pas ça à l'origine. C'est donc un être humain, né au Népal, qui a réalisé des recherches empiriques et profondes jusqu'à ce que ça... Il soit dévoilé à son être, à son âme, la nature profonde des phénomènes, qui en résumé est vacuité, lumière et paix. Et donc il a transmis l'outil principal à partir duquel ceci a été réalisé, ce que je viens de citer. L'outil principal, c'est la position assise. D'une certaine manière. Donc là, par exemple, on a des statues de femmes, une statue d'homme, présentant la position très équilibrée entre terre et ciel, bien centrée, dans un processus de verticalisation, où dans ce processus-là, les productions mentales, les sensations et les perceptions sont vues, mais sont laissées comme un film qui passerait devant... une conscience centrale qui les observerait. Et à partir de là découle
tout un tas de prises de conscience, tout un tas d'observations, jusqu'à ce qu'on appelle le nirvana, et puis ensuite la réalisation de cette étape d'évolution humaine dans la vie quotidienne, qu'on appelle en japonais cette fois le satori. Voilà. Donc, pas de divinité. Pour moi, pas de divinité. Parce que comme il n'y a rien et que tout est vacuité, on se demande où pourrait être une divinité, mais il y a ce processus de vacuité, de lumière et de paix qui pourrait être, selon les époques, je ne sais pas, ou les sensibilités des gens, mis en parallèle avec un processus divinatoire. Pourquoi pas? Pour le temple de la paix suprême, c'est la paix suprême, quoi. Voilà, pour répondre à cette question. Bien, bien. Nous avons une autre question. On parlait des positions et des symboles. Dans le zen, on s'incline constamment. Quel peut bien être le sens de se plier devant un symbole? Alors, d'abord, on ne s'incline pas constamment. Ça deviendrait une sorte de gymnastique consciente. Pourquoi pas, hein. On n'est pas devant, par exemple, un mur où on s'inclinerait devant le mur. Hein. Il y a des traditions comme ça. Non, non, non. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Un symbole, c'est quelque chose qu'on a matérialisé avec un sens que l'on y a mis. Alors, dans Zen, il y a trois symboles. Il y a les êtres éveillés, donc les Bouddhas. On va dire les êtres éveillés. Les êtres qui suivent ces enseignements, qui les mettent en œuvre, qui les expérimentent. On peut dire que c'est une sorte de famille spirituelle. Et puis, il y a les enseignements, ou l'enseignement. Et en sanskrit, on dit Bouddha, Sangha et Dharma, les enseignements. Voilà. Et donc, on les... On leur attribue des symboles matériels pour qu'à chaque fois il y ait un rappel dans notre esprit. Par exemple, ici dans le centre, dans le temple de la paix suprême, il y a ces trois symboles avec des petites statues. Donc le symbole des êtres éveillés, évidemment, quand on y va, ben, on incline en fait, c'est qu'on relâche la nuque et on dépose tous nos a priori, etc. Et. On sait qu'il y a des êtres qui ont été éveillés, qui sont éveillés. Donc on a là une sorte de direction par des témoignages que l'on peut cheminer dans cette direction. Puis donc l'enseignement dharma, ben, c'est une autre statue par exemple qui représente le symbole des enseignements. Et là, on s'incline en disant, ben, ok, on expérimente tous ces enseignements, on les valide ou non. La plupart du temps, ils sont validés parce que c'est des choses tellement évidentes que tout le monde sait pratiquement, mais qu'une personne actualise dans son vécu et n'incarne pas. Donc on s'incline devant, ben oui, souviens-toi, il y a des enseignements, ne les oublie pas. Et puis après... devant un symbole représentant les gens qui expérimentent tout ça. Donc une sorte de famille spirituelle, une famille d'expérimentateurs. Quoi. Et donc on s'incline devant eux parce qu'on sait très bien d'abord la valeur de ce cheminement. L'esprit, la dynamique de ce cheminement, tous, au moins une partie... de ce que ça signifie, et par respect, par amitié, voilà, on s'incline pas constamment, voilà, mais on s'incline d'une certaine manière quand même. J'ai juste un peu montré quelque chose, je pourrais le montrer debout, mais c'est pas le sujet, mais oui, on s'incline devant quelques symboles, et stop, c'est des penses bêtes, quoi, c'est des post-it que l'on met au niveau de la conscience de temps en temps. Ça suffit pas de se plier et de rester plié, quoi. Non, parce que il y a l'état d'esprit qui est au départ, tel que je vous les ai décrits.
les représentations symboliques qui sont là, et c'est pour se rappeler ces représentations symboliques que l'on va se mettre en œuvre, se mettre en action pour s'incliner. Donc il y a déjà... c'est pas des trucs automatiques sans esprit, quoi, sans âme, hein, non. On est rassurés. Moi aussi. Une autre question assez globale, générale. Qu'est-ce que la voix avec un V majuscule? C'est un terme que l'on entend souvent. Oui, bah en fait, c'est le instant après instant, jour après jour, semaine après semaine, si la vie continue, eh bien, on expérimente des recommandations que les anciens, dont les anciens ont balisé le chemin d'expérimentation. Donc on expérimente, le temps passe comme ça, et on fait du chemin. Donc c'est une représentation aussi symbolique. Voilà. Je pourrais répondre autre chose, on va s'arrêter là pour ça. Voilà, ça fait, finalement ça fait un chemin. D'accord. Qu'est-ce que le Zen Vekijo? On y parle de loi, principe, de quoi s'agit-il? Dans l'histoire, donc il y a Siddhartha Gautama, puis sous son accompagnement, se sont éveillés, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. On se rappelle bien de ce mot-là, on ne le confond pas avec prise de conscience, de processus sociaux, etc. Oui. Bon. Donc, des êtres qui se sont éveillés et qui... dans leur cheminement, là je parle de cheminement géographique, sont passés d'un pays à l'autre, etc. Et au fur et à mesure, eh bien, ce sont d'autres cultures qui ont été touchées par cette boîte à outils, ce savoir-faire et ce savoir-être et ce savoir-devenir, qu'on appelle le bouddhisme. Et à chaque fois, eh bien, il y a une adaptation un peu au pays. Je veux dire, ça paraît difficilement concevable de transposer la vie de l'équipe de Siddhartha Gautama dans notre société. Bon, ça n'a pas de sens. Donc, et puis on est instruit de tellement de choses maintenant que dans le passé on ne connaissait pas. Je ne parle pas que des choses matérielles, hein, je parle des processus, etc. Voilà. Donc, les termes pour nommer une dynamique d'enseignement, eh bien, ça a été Dhyana, ça a été Chan en Chine, puis après au Japon, il y a eu Soto Rinzai, Soto Zen, Rinzai Zen, etc. Bon, voilà. Ma lignée est celle du Soto Zen, et puis. Quand sont apparus le Nirvana et le Satori, c'était en 1991, donc on est en France, et donc il y a quelques formes qui ont changé, des formes de la boîte à outils, quelques du savoir utiliser les outils, des formes relationnelles qui ont changé, voilà. Donc, j'ai adjoint à côté du mot zen, ou devant, ou derrière, peu importe, la notion en espéranto de action de s'éveiller. Mais c'est des pléonasmes, tout ça. Bon, faut simplement se souvenir que Vekijo, ou Vekijo Zen, ou Zen Vekijo, c'est une autre boîte à outils avec quelques manières d'utiliser les outils. Ils sont parfois différents, avec le Soto Zen par exemple, mais le fondement, l'essence, c'est la même. Voilà. On est au 21e siècle maintenant, on est dans notre pays, et on n'est pas au Japon. Voilà, des adaptations de formes ou des diversités de formes. Voilà, avec des outils qui sont un petit peu différents. Et on parle d'outils, et si on parle de loi-principe. Pardon, si on parle de loi-principe, alors c'est le terme que j'ai mis dans l'observation de certains engrenages. Par exemple,
la force de gravité. On est tous assujettis à ça, on est des sujets de la force de gravité. Comme tout corps, même des corps qui volent, quoi. Et cette force de gravité, et c'est donc le cœur de la Terre qui vient tirer tous les corps par un système de magnétisme, etc. Bon. C'est une dimension qui nous permet de nous sentir faisant partie complètement de ce processus de Terre. Et on l'a quand on est assis, voilà, comment s'asseoir pour ne pas être en tension continuelle, en compensation, je ne sais pas trop quoi. C'est pareil quand on marche. Enfin, c'est de mettre en œuvre une partie de notre conscience, c'est la conscience de la force de gravité. Et on va placer notre être, on va le déplacer en fonction de ça. Donc on a toujours les pieds sur terre, par exemple, grâce à ça. On est planté, c'est très, très pragmatique. Et ça influence notre état d'esprit, ça influence notre manière donc de concevoir le vivant et une partie du vivant qui est notre être. Donc c'est la force de gravité, c'est l'impermanence. Rien n'est permanent, absolument rien. Tout bouge tout le temps. C'est l'interdépendance. S'il n'y a pas de végétaux, d'algues, ben, on ne respire pas. Enfin, eux encore peuvent croître parce qu'il y a d'autres êtres que nous, mais si l'humanité disparaît, les végétaux ils devront encore se nourrir de gaz carbonique par ailleurs, quoi. Mais en tout cas, quand on expire, ben, ils s'en servent pour faire de la matière. La loi de cause à effet. Chaque instant comportant des pensées, des paroles, des actions, des actes, des comportements, des attitudes, a des conséquences pour l'être qui crée ça, consciemment ou inconsciemment, mais aussi pour tout le vivant autour, et réciproquement, c'est dans les deux sens. Donc ça c'est l'interaction. Il y a la relativité aussi, qu'on s'applique d'abord à nous-mêmes, je ne parle pas de la relativité physique à l'Einstein, hein, j'en suis incapable, le fait qu'on prend conscience que toutes nos perceptions, toutes nos sensations sont tout à fait relatives. On ne peut pas les prendre comme absolues. Une couleur que je dirais rouge, vous êtes daltonien et puis vous voyez d'une autre couleur et on va se disputer parce qu'on ne voit pas la même couleur. Mais ça peut être des choses encore plus délicates que ça. Ça peut être des parfums, ça peut être peu importe. Tout ce qu'on perçoit est relatif à nos capacités de perception de l'instant et notre capacité de conscientisation de l'instant. Il y a des choses que, avec des traumatismes ancestraux, il y a un blocage, le système nerveux central ne perçoit pas telle perception, telle sensation, ou même telle production mentale. Il y a un petit blocage. Donc il y a une relativisation, c'est la loi principe de la relativité. La transmigration aussi, c'est-à-dire que les processus vibratoires voyagent et il y a un échange pour ça aussi dans les êtres. Voilà, en gros, on a les lois principes de base qui sont des phares. On pourrait dire que c'est des points de repère pour comprendre la réalité concrète. Oui, ce sont des phares, quoi, pour éclairer, voilà. Pour comprendre, et puis pour intervenir dans notre discernement, dans la vie quotidienne, pour, par la réflexion complémentaire à tout ce que je viens de dire, là, eh bien, on arrive à prendre des décisions dont on ne connaît pas l'efficience, les résultats, on n'affirme rien, on fait de notre mieux avec tout ça. Mais ça nous éclaire. Merci. Merci. Une autre question, qu'est-ce qui différencie la manière de s'asseoir dans le Zen Bekijo de celle d'autres approches de techniques de méditation? Bon, d'abord, la manière de s'asseoir, c'est pas une méditation. Une méditation, ça signifie une réflexion profonde sur un sujet.
par exemple, pendant une patsilone, une retraite, une séchine, il y a des périodes où il vous est proposé de réfléchir sur un sujet. Ça, c'est de la méditation. Vous mettez dans un coin du jardin, etc., ou à l'intérieur, peu importe, et vous réfléchissez profondément sur quelque chose. C'est de la méditation. Le fait de s'asseoir, c'est pas de la méditation. C'est s'asseoir. S'asseoir paisiblement en organisant son être physiologiquement à l'optimum. La position, la respiration, etc. La manière d'observer, pas par les yeux, mais par l'œil de l'esprit, la tension. Bien, ça, c'est la manière de s'asseoir du zen d'étudier. Voilà. Donc, ça lui est propre, mais c'est très proche du sotogène. Sauf que niveau respiratoire, il y a quelque chose qui change. Donc c'est distinct, parfois fort différent. Et le terme, c'est un terme espéranto qui veut dire qui est vexido. Veki, c'est l'éveil, le réveil. Sido, c'est l'assise, c'est la position assise de l'éveil finalement. D'accord. Pourquoi choisir ce cheminement spirituel plutôt qu'un autre ? On a aujourd'hui une multitude de possibilités de cheminement spirituel. Finalement, pourquoi ce choix et qu'est-ce qui pourrait nous orienter vers le Zen Vekijo plutôt qu'une autre approche ? La deuxième partie de la question résonne mieux en moi. Lorsque les gens croisent une situation, croisent un enseignement par exemple, ou des gens qui sont tout à fait discrets, et puis mais ça nous interpelle de voir comment ils se tiennent, comment ils se comportent, comment ils agissent, leurs paroles, leurs attentions, tout ça, ça peut nous interpeller. Auquel cas, on peut être attiré vers ces gens-là ou les repousser. Enfin bon, là, on parle d'attirance de comportement ou autre. Et de s'intéresser, de savoir, t'es né comme ça ou t'as fait quelque chose. Et puis de cheminer ainsi, parce que ça résonne en nous. Et à ce moment-là, si on a une aspiration à l'évolution, on va se mettre à marcher sur ce chemin avec les bornes en utilisant ce que les phares nous indiquent d'utiliser. Donc, je ne vais pas répondre à la première partie qui est pourquoi choisir ceci ou cela. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose qui, à un moment donné, va résonner. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire. Bam, ça va donner le temps. Mais... voilà, c'est. On dit. Ah ouais. La question suivante, il y a eu déjà, je pense, quelques petits éléments de réponse, mais peut-être pour préciser un peu, que se passe-t-il lors d'une retraite, concrètement ? Alors concrètement, c'est tout repose sur ce processus de position assise vexido. À partir de là, découle tout le déroulement d'une retraite. Et dans une retraite, donc il y a des périodes de position assise, il y a des périodes de gestion de verticalisation debout, donc du bout des pieds jusqu'à la fontanelle, en marchant par un déplacement automatique engendré par l'expiration, et un déplacement volontaire pour apprendre à se propulser, à se diriger, à être centré, tout en étant verticalisé, en appréciant. Alors tous ces sens qui se passent aussi à l'extérieur, pas simplement à ce qu'on ressent, avec le souffle, etc. Il y a des services, de jardinage, des services d'entretien de ceci, de repas, de boissons, de cuisine, enfin bon, voilà. Et dans tous les services, ce sont en fait des espaces d'expérimentation pour mettre en œuvre l'attention, être maximum complètement dans ce qu'on fait, sans trop se couper, sans se couper de ce qui nous entoure.
et d'observer ce qui se passe, comment notre être réagit là-dedans. Et si ça coince, comment on peut tranquillement, avec de la délicatesse et de la résolution, l'esprit de résolution, une fermeté, une rigueur, continuer même s'il y a quelques fumigènes qui sortent du cerveau, parce qu'on est dans, on est en ouvert devant les volcans. Et puis, voilà, et puis il y a des moments d'entretien, d'échange. Voilà. Mais tout ça, c'est très varié, quoi. Autre question, est-il nécessaire de tout quitter et de s'installer à côté du transmetteur pour suivre une voie ou suivre la voie? Souvent, j'entends la notion de tout quitter, c'est-à-dire être en dehors de. Or, c'est pas possible si on prend un petit peu de distance avec notre planète et on la regarde, n'y a pas un pingouin ou un être humain qui est en dehors de. Bon, déjà, c'est une grosse illusion, ça. Ceci dit, les êtres font comme ils veulent, comme ils le sentent. Les expérimentations seront différentes, le cadre des expérimentations seront différentes, mais on peut très bien, et ça a été le cas de ce que j'ai fait, donc, être père de famille, chef d'entreprise, agir dans la société, puis expérimenter tout ça dans le quotidien. C'est très très riche, parce qu'on se trouve avec des gens qui, parfois, ou nombreux, sont des gens qui ne s'interrogent pas sur ce genre de processus d'évolution. Ça vient pas à la conscience, à la limite, ils s'en foutent complètement, quoi. Donc, c'est très intéressant de se mettre en mouvement dans toutes ces formes de comportement dans la société. Donc, très bien, élever les enfants, vivre apparemment comme tous les autres, mais avec une autre dynamique de mise en œuvre, une autre façon de penser, d'autres repères de raisonnement et d'application. Et finalement, que ce soit dans un lieu clos ou que ce soit dans un lieu non clos, eh bien, l'état d'esprit d'expérimentation devrait être le même. Après, chacun ou chacune choisit. C'est-à-dire des moments dédiés à des pratiques particulières et d'autres moments où on continue cette expérimentation dans le quotidien et dans la vie. Voilà, en appliquant certaines réalisations qui ont été vécues et des enseignements. Pour les expérimenter, c'est toujours de l'expérimentation. Voilà, j'ai un bébé dans les mains, et ben je vais m'en occuper, je vais lui faire sa toilette, ramasser le caca, laver la couche. Enfin, aujourd'hui, on n'en lave plus. J'ai eu encore des couches qu'on lavait à l'époque, mais bon. Et d'agir précisément, voilà. D'être dans ce qu'on fait, de servir au maximum. Bon, il y a un état d'esprit pour tout ça, quoi. Est-il nécessaire de vivre dans un monastère pour suivre une voie? Vie sociale, familiale et professionnelle sont-elles compatibles avec un authentique cheminement spirituel? Bon, je pense qu'on a répondu. Ouais, j'ai répondu, la réponse est oui. Et tu es un exemple de la possibilité que ça a eu existé. Complètement. Pouvez-vous nous dire... nous en dire plus sur l'essence de ce qu'on appelle le dharma? Le dharma, on peut le présenter comme étant les enseignements, les expérimentations d'une personne ayant cheminé jusqu'à Nirvana et au Satori, et imaginant et proposant donc un panel d'expérimentations à des gens qui sont attirés, qui sont en résonance avec ce cheminement. Première chose. Deuxième chose. Finalement, le dharma, il n'existe pas.
des gens qui hurlent quand je dis ça. Et oui, parce que lorsque le nirvana est, il n'y a ni dharma, ni non-dharma, il n'y a personne qui le vit, enfin bon. C'est donc la réponse et il n'y a rien. Voilà. Cependant, la première partie est importante. Ça fait un peu paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout, finalement. Finalement, comment peut-on savoir si un maître est éveillé ou non? Là aussi, c'est une question finalement pas simple dans ce monde de tellement d'informations, de multitudes. Ouais, d'apparence et tout. Mmh. Ouais. Eh bien, on le voit dans les actes. Encore faut-il avoir la grille de lecture appropriée et de savoir lire. Et d'avoir envie de lire. Mais c'est dans les actes. Donc, on voit si les actes sont égotiques ou non. On voit si les gens sont... reflète les enseignements ou pas. Voilà, on les voit dans l'humilité, dans la simplicité, dans toute cette dimension qui est authentique. C'est important pour dire ben je vais cheminer et je vais être accompagné par celle-ci ou par celui-ci. La base, c'est déjà est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, hein? Une sorte d'échange, un peu comme du lait et du miel là, qu'on mélangerait. S'il y a un peu ça déjà, ben, ça nous permet de cheminer. Mais il se pourrait qu'à un moment donné, on se dise, ben non. D'accord, c'était en résonance, mais là ça ne l'est plus. Donc, est-ce que cette personne est éveillée ou non? Ça dégage, ça montre une autre dynamique dont il faut se méfier. C'est-à-dire, à partir de quoi on apprécie une situation, des êtres, et nous-mêmes. Est-ce que c'est à partir de toutes les informations que nous sommes, à partir d'une aspiration et d'une représentation, je ne sais trop quoi, c'est nécessaire de s'interroger aussi pour ça. Finalement, c'est presque qui regarde qui. En témoignage, je pourrais dire que ça résonne ou ça résonne pas. Toi, tu utilises un mot suisse ou je sais pas quoi, tu dis ça match ou ça match pas. Ouais, c'est un peu ça. Ça résonne ou ça résonne pas. Encore faut-il en train d'être dans la recherche de cette dimension-là. Ouais. Exactement. Exactement. Il peut y avoir des êtres authentiques comme ça. Et puis, ils sont dans d'autres milieux. Les gens, c'est pas leur problème, ils ne perçoivent rien. Ils sont comme tout le monde. De toute façon, ils sont comme tout le monde. Ils vont pas faire de l'esbrouf, ils sortent pas leur trompette. Quoi. On dit que c'est comme le soleil qui est presque au zénith, un peu dépassé. C'est comme l'été, au moment où le soleil est plus à la verticale du sol, là, en fait, là je peux pas le faire parce que c'est pas encore l'été, il n'y a pas d'ombre. Donc si c'était une bougie, la bougie ne créerait pas d'ombre. Parce qu'il y a la lumière du soleil et de la bougie, et en fait on ne voit rien. Donc finalement, peut-être qu'on ne voit rien. Voilà. Bien. L'éveil est-il un état
ou un vécu d'un instant. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'on met dans ce mot éveil? Donc j'ai répondu tout à l'heure pour une partie. C'est pas un terme que j'utilise beaucoup. D'abord, je préfère prendre le concept de nirvana, le concept de satori. Et le nirvana, c'est à un moment ou quelques moments où les rideaux de la méconnaissance se sont délités. Le satori, c'est d'inclure cette réalisation de la nature profonde de tous les phénomènes et de mettre en œuvre dans son quotidien tout ça. Et lorsque la mise en œuvre de tout ça est effective dans le quotidien, on peut parler de cohérence de l'être dans son cheminement d'évolution. Et ces petits morceaux de phrase pourraient être la réponse à la question. Autre question, pourquoi la pleine lune est-elle si importante pour les bouddhistes ? Alors je ne sais pas si c'est important pour les bouddhistes. Dans le zen, c'est un symbole. Dans le zen des japonais, c'est un symbole. Et parce que cette expérimentation du nirvana, où il n'y a pas de corps, il n'y a rien, il y a la vacuité, et en même temps, j'ose dire âme, qui fusionnerait avec le reste, ou qui, à partir duquel ça s'épanouit, enfin bon, quelque chose qui apparaît. Et cette lumière, elle est la valeur de la pleine lune. C'est une lumière douce, profonde, infinie. C'est pas quelque chose qui est ébloui. Voilà, c'est la pleine lune, pas que la lune, hein, mais la pleine lune représente, approximatif, mais c'est juste pour avoir des points de repère, représente ce qui est vécu dans cet état-là par personne qui le vit. Les bols tibétains sont utilisés dans le zen. S'agit-il d'un simple son ou d'une combinaison de principes masculins, le maillet, et féminin, le bol? Alors, les bols tibétains, à ma connaissance, sont très peu utilisés dans le zen. Et les japonais ont fait leur bol. C'est pas les mêmes bols, alors? Non, c'est pas les mêmes bols, mais le problème, c'est pas de savoir d'où viennent les bols, de toute façon. C'est que les bols, quand ils sont frappés d'une certaine manière, comme un musicien qui jouerait d'un instrument, et quand le son il est le son, cette vibration sonore, elle est perçue par les gens qui sont par exemple assis, et ça aide parce que c'est beau, c'est profond, ça résonne juste. Alors ça aide à la justesse et à la profondeur de la dynamique de la position assise. Voilà, maintenant concernant le maillet qui est plutôt masculin et puis le bol plutôt féminin, je n'ai pas de réponse là-dessus. On peut de toute façon imaginer toujours plein de choses intellectuellement pour donner une justification, mais à mon avis, on perd son temps. Il vaut mieux aller s'asseoir. Oui, chacun fait comme il peut. C'est pas cette symbolique qui est une chose essentielle. Non, l'essentiel, c'est la fonction de cet instrument dans les expérimentations. Les mantras, mots répétitifs ou phrases entières suggérant un état de conscience modifié, sont largement chantés aujourd'hui. Le mantra n'était-il pas à l'origine un poème ou un chant par lequel les illuminés initiés transmettaient la sagesse à leurs disciples ?
Le nombre de consonnes et de voyelles joue-t-il un rôle dans les mantras? Voilà, il y a plein de choses là. Bon, la récitation d'un texte qui encore s'est calmé parce que hier c'était assez fou. Aujourd'hui c'est calmé. Donc la répétition d'un texte qui vient présenter tel ou tel aspect de constat, de réalisation. Sont devenus au fur et à mesure mis en musique selon les peuples avec une certaine manière. Par exemple, au Japon, c'est très scandé. Voilà. D'autres, ça va être plus chanté, etc. Bon. Donc, ça ne suggère pas un état comme c'est notifié dans la question. À la limite, ça participerait à la création d'un état. Mais là, je fais le perroquet, donc je vais la fermer, parce que je n'ai jamais utilisé tout ça. Donc il y a le Zen Rinzai, où le maître Esai posait une question qui paraît un peu bizarre, du style « Quels font le bruit d'une main ?» Quel est votre visage originel, etc. Donc, et les gens sont assis dans la position. Alors, je ne l'ai pas vécu, hein, mais je le fais perroquet, comme j'ai dit. Là, je vais le faire. Et il se répéterait la question du maître jusqu'à un moment où, peut-être psychiquement, il se passe quelque chose et on rejoindrait une expérience qui peut se passer quand... dans une autre direction, cette position serait prise avec la dynamique de laisser toute perception, toute sensation, toute production mentale apparaître et disparaître. Donc, apparemment, il paraît que ça fonctionne avec la répétition scandée comme ça, ou l'interrogation mentale, etc. Et j'en ai pas l'expérience. Ah, donc j'ai oublié une autre partie de la question. Est-ce que c'était à l'origine une manière de transmettre la sagesse aux disciples? Et est-ce que le nombre de consonnes et de voyelles a-t-il un rôle à jouer dans l'entrée? Donc à l'origine, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a des enseignements. Et puis, à un moment, quelqu'un dit « ce serait peut-être bien de le scander, de le mettre en rythme, et puis tout le monde va se mettre là-dedans, et il va y avoir une sorte de... On va lâcher un petit peu les processus égotiques pour entrer dans ce champ scandé. Je pense que c'est un outil. C'est un outil. Demain, il pourrait y avoir quelqu'un qui dit « il y a une loi principe du temple de la paix suprême, et puis on va faire... on va chanter ça à la façon d'Edith Piaf ou du dernier rappeur que je ne connais pas, ou de Grand Corps Malade, et puis on va scander ça, et puis ça va devenir un mantra, quoi. Voilà. Bon, c'est un outil, mais c'est pas... Bon, c'est rien d'essentiel, ça. C'est aussi valable que d'être concentré quand on est sur le trône à déféquer. D'autres actions. Si on est complètement dedans... Finalement, c'est la qualité et la profondeur d'un vécu qui a plus d'importance que la forme elle-même. Et la mise en route d'un état d'esprit à l'intérieur de ça qui engendre la qualité et la profondeur. Le Bouddha est souvent représenté à moitié vêtu et à moitié nu, l'épaule droite exposée. Quel est le symbolisme de cette représentation et pourquoi a-t-il de si grandes et longues oreilles et un chignon sur la tête? Et de longues dents, il faut mieux te croquer, mon enfant. Le bras droit est démuté. Est-ce que ce serait parce qu'il y a presque 90% de la population qui est droitière et que ça serait bien pratique d'avoir le bras droit dénudé pour attraper les choses?
tant pis pour les gauchers. Mais je n'ai pas d'autre réponse que ce genre de réponse. Et quand un tissu est porté, c'est le cas, hein, quand on porte les toges dans le Mbitijo, la partie droite est complètement dénudée. La partie gauche est toujours entravée, entre guillemets, par la toge. Hein. Mais c'est plus pratique que si j'ai mis la toge, si je mets la toge comme ça, j'ai les deux côtés qui sont entravés. Peut-être qu'il y a un côté pratique, mais c'est peut-être mon côté ergonome qui est en train de parler. On va voir si les Romains laissaient aussi le bras dans les Grecs, les toges. Ouais, les Grecs, les Romains. Je sais pas ça. voilà, j'ai pas d'autre réponse. Ceci dit, c'est peut-être pas dans toutes les conditions. Si on est dans l'Himalaya et qu'il fait moins 40, peut-être que ça commence à se couvrir. Faut voir. Et les oreilles et le chignon? Ah oui, les oreilles. Les oreilles, l'oreille, c'est le symbole de l'écoute. Donc plus l'oreille est grande, comme les radars, hein, qu'on met en haut des montagnes pour pouvoir ramener les ondes du reste de l'univers, et plus l'oreille est grande, plus la personne sait écouter. Donc on met des grandes oreilles, parce qu'on constate qu'elle sait bien écouter cette personne-là. Si elle n'a pas d'oreille, t'as pas d'oreille. De chance. Le chignon, ça dépend des pays, des périodes. On va représenter Siddhartha Gautama ou l'image d'un être éveillé en fonction des pays. Des fois, on les voit complètement affamés, des côtes saillantes. Bon, ça représente Siddhartha Gautama avant qu'il ait décidé d'arrêter tout ça, tout son ascétisme. Et de reprendre une vie équilibrée en se nourrissant, etc. D'autres fois, on va en Chine, c'est les Bouddhas qui sont énormes, parce que là-bas, c'est le signe de la richesse. Ah ouais, tu manges, ça va bien, quoi. Si t'es tout sec, c'est que tu manges pas. Donc t'es bien, bien rond, et puis voilà, c'est le signe de la richesse, et j'aimerais bien être riche, pense-t-il. Donc, on se fait des Bouddhas comme ça. Et puis, il y a peut-être une autre signification pour le chignon, maintenant je reviens au chignon. On le voit parfois, le chignon juste au-dessus de la fontanelle. Or, cette région-là, elle est vraiment importante. Et toutes celles qui sont avant, enfin, je veux dire, dans la chaîne comme des serrures, quoi. Et donc, je serais assez porté à penser que certaines civilisations ont créé ce chignon pour représenter l'ouverture de la dernière serrure avant le nirvana, quoi. Quelque chose comme ça. Enfin, mais j'en sais pas plus que ça. Pouvez-vous nous parler des vertus du Bouddha ? C'est pas par terme de la dynamique des vertus qu'on pourrait parler d'une personne, d'un être humain accompli, quoi, dans son humanité. Non, ça marche pas comme ça. C'est plus, puisque l'application elle est éclairée par le nirvana et par la compréhension qu'on appelle le satori, la mise en application. Donc, au maximum de sa vie dans le quotidien, crée des conséquences. Des attitudes, une manière de penser, une manière de se comporter, une manière d'agir, de parler. Les conséquences de tout ce que je viens de dire avant, on pourrait les classer dans le domaine des vertus. Mais ce n'est pas de ce domaine-là. Par exemple, une vertu, citez-moi une vertu, tiens. La bonté. La bonté, bon, ben voilà, la bonté. Ben, y a des êtres qui dans leur histoire, dans leur flot d'informations qui les composent, et dans certaines situations, peuvent libérer leur bonté. Dans la même situation, d'autres non. Parce qu'il y aurait des peurs de ceci, des peurs de cela, et hop, on ferme. Et on ne peut pas exprimer sa bonté. La bonté est une expression qui serait naturelle
issu de la dynamique d'amour ou d'amitié dont les êtres ont besoin et qu'ils recherchent en permanence, quoi. Donc, toi, ça marche pas pareil. On part pas de « Allez, ok, la bonté, je vais travailler à la bonté. » Non, 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 je travaille pas à la bonté. Ça va être la conséquence naturelle de tout le reste. Elle sera pas fabriquée, la bonté. Elle sera la conséquence. Comme une goutte d'eau tombe et il y a un son. La goutte d'eau, elle n'a pas voulu créer le son de la bonté. Et c'est les conséquences. C'est les conséquences. Depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, l'humanité a toujours eu besoin de guides spirituels. En a-t-elle encore besoin de nos jours ? On a parlé un petit peu d'avant de l'enseignement et de la transmission des expériences. Ouais. L'expérience, De nos jours, il y a une dynamique d'information, de savoir, qui est vive. Et il y a un flot d'informations qui est conséquent, comme jamais ça l'a été pour l'être humain. Maintenant, une personne qui a, je sais pas, un certain niveau d'études, ben, il est plus savant peut-être que Platon ou pas quoi, dans, je sais pas qui, dans le sens idée, connaissance de ceci, cela, mais ça signifie pas que c'est vécu. Il y a une sorte d'énorme grand écart avec un déchirement d'entrejambe entre la somme des savoirs et la mise en œuvre de ces savoirs dans le quotidien. Presque il y a une sorte de fuite vers le savoir, d'information. Je prends. Et donc le cerveau néocortex prend un maximum d'informations, fait son truc, son machin, etc. Et finalement, les orteils sont morts. Le diaphragme ne fonctionne que très peu. C'est déséquilibré, quoi. Complètement déséquilibré. Donc, alors qu'est-ce que peuvent apporter des êtres qui développent leur système neuromusculaire, qui développent bon, tout ce que j'ai un peu présenté rapidement. Et ben, aux gens qui sont écartelés comme ça, s'ils en ont l'aspiration, s'ils prennent conscience qu'ils sont écartelés et que ça les met dans un état qui ne les satisfait pas. Et je crois qu'il y a un paquet de gens qui sont dans la déprime, qui prennent des médicaments de ceci, etc. C'est complètement incroyable, quoi. Et il y a peu de gens qui sont tranquilles, centrés, verticaux, qui sont dans l'empathie, dans la dynamique, etc. C'est un peu la folie, quoi. Donc, des êtres qui auraient la boîte à outils, le savoir-faire, le savoir-être et devenir... serait certainement utile. Ils ont leur place, en tout cas. Ben, ils ont la place que les autres veulent leur donner. Sinon, ils continuent leur vie comme ça. Puis voilà. Comment, dans le zen, peut-on supprimer les mémoires traumatisantes ? Il est dit que le bouddhisme mène à la cessation des souffrances. De quelles souffrances s'agit-il ? En quoi le zen apporte-t-il des réponses quand on a physiquement mal ? Bon, encore plein de choses dans la même phrase, dans les deux phrases. Alors, la souffrance, elle est psychique. Souvent, c'est des traumatismes ancestraux ou de l'être dans sa nouvelle composition là, dès la conception. Et ces traumatismes, en fait, traumatisme, c'est tout ce qu'on n'a pas pu, tout ce que l'être n'a pas pu gérer. Aujourd'hui, on pourrait dire stress. C'est-à-dire que si on dépasse une certaine limite de capacité, de réponse, à la fois émotionnelle, physique ou cognitive, eh ben, ça, on trouve pas la réponse à la situation et on est très très perturbé. Voire, on peut être extrêmement déséquilibré par rapport à ça. Et donc, ça, c'est des traumatismes de tout ordre, quoi.
mais au niveau psychique. Ce n'est pas non lié avec la physiologie. C'est-à-dire qu'un traumatisme peut effectivement avoir une répercussion sur une telle partie de la personne, ou plusieurs parties de la personne. Voilà, créant encore maintenant des douleurs. Alors, la dynamique de Siddhartha Gautama, finalement, c'est le chemin qui mène à la cessation des souffrances. Quand on est dans cette position-là, se déverse devant, on dit l'œil de l'esprit, c'est pas l'œil en termes d'organes visuels, des pensées apparaissent. Si on n'y fait pas attention, leur puissance est tellement forte qu'on est emporté par ces pensées. Et on continue d'échafauder, on suit la pensée, on crée quelque chose avec d'autres pensées qui arrivent, etc. Bon, auquel cas la position se déforme. Donc, par la position, on a une sorte de tuteur pour ne pas être tordu comme le saule qui est derrière nous. Ou du tuteur pour redresser ce saule, pour arriver comme à un bambou, par exemple. Hein. Donc, lorsqu'on arrive effectivement par cette dynamique de bioconscience, de conscience biologique, à être dans un état d'observation à partir de tout notre être, le processus des pensées fonctionnera, mais on reste tranquille, c'est-à-dire qu'on ne va pas courir après, parce qu'on a la ressource de bioconscience, de dynamique de cet œil de l'esprit, de l'observer comme si on regardait une télévision finalement. Hop, les images passent, et on ne suit pas le personnage, on ne devient pas le personnage de la télévision. Auquel cas, les pensées qui pouvaient créer des souffrances, eh bien, elles ne s'incarnent pas, puisque c'est comme un germe, ça sort de terre, alors, allez, j'aère la terre, il n'y a pas de pluie depuis 4 jours, il faut de l'eau à ce germe-là, je lui mets un petit peu d'eau, et patati, et je lui parle et tout. D'un coup, ça va venir un arbre qui va faire des feuilles, des fleurs, des fruits. Bien. Mais si le germe, c'est-à-dire la production mentale, je ne m'en occupe pas du tout, à un moment, elle risque de dépérir si effectivement les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle pousse. C'est-à-dire, je ne veux pas l'arroser, je ne m'en occupe pas. Donc, c'est l'histoire du baobab du petit prince. Dans le petit prince, les baobabs, c'est le processus de pensée. Et s'il ne fait pas attention, eh ben, la planète, elle est qu'un baobab, quoi. Elle est envahie. Donc, tous les jours, il va déterrer son petit baobab parce que c'est le germe. Pour pouvoir avoir cette liberté et que la Terre, sa planète ne soit pas étouffée par les processus mentaux, pour mettre une image. Donc, les souffrances qui étaient en potentiel dans les productions mentales, elles ne se révèlent pas. Et puis ensuite, quand le nirvana apparaît, qu'on comprend tout ça, donc c'était cette période qu'on appelle le Satori, ben on sait que finalement tout ça c'est de la vacuité, quoi. C'est vide. Donc c'est quand même ça fait relativiser un peu. Pas un peu. Ça relativise complètement. Voilà, les deux mises ensemble permettent de dire ben voilà, c'est la cessation des souffrances. Et par rapport à la douleur physique? La douleur physique, effectivement, on éprouve beaucoup. Beaucoup, parfois, ça dépend des êtres et ça dépend quand. Des douleurs dans les hanches, dans les genoux, etc. Le système nerveux central est donc capable de générer des molécules qui permettent d'atténuer
la douleur sans que l'œil de l'esprit ne perçoive pas qu'il y a une douleur. Il perçoit qu'il y a une douleur. Mais elle est comme dissociée du psychisme. Un autre parallèle, ça pourrait faire des gens qui ont subi des traumatismes violents, on en parle de plus en plus, ça commence à se révéler maintenant. Et bien, quand on les écoute, et bien, il s'est passé qu'à un moment, le psychisme a mis une porte blindée là-dessus. Et ils vivent des années sans apparemment avoir des séquelles de ça. Et des fois, paf, la porte s'ouvre. Et là, ça les fout en rire, quoi. Voilà. Donc soit c'est une production, c'est et ou une production de substances qui viennent anesthésier la douleur, soit c'est autre chose qui se passe. Mais je penche pour la première. Et les douleurs se produisent, ben, par exemple, quand les chaînes musculaires, les fascias, le système nerveux est mis en tension, dans certaines positions, est tenu trop longtemps, ou manque d'oxygénation, je ne sais pas quoi. Il y a une réponse de douleur qui est envoyée en disant « Oh, attention, attention, ça ne va pas, quoi. » Mais on le traite comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à ce moment-là, il y a un moment, la douleur, elle peut aussi se relâcher. Parce qu'on l'observe, on a un processus d'amorisation, c'est-à-dire d'empathie, de compassion, si on pouvait séparer entre le psychisme et la chair, c'est inséparable, mais, qui produit que le nœud se dénoue et la douleur disparaît. C'est aussi notre aspect. C'est très utile au quotidien. On a fait l'expérience. Donc des outils vraiment intéressants sur la souffrance concrète, tant physique que psychisme. C'est très concret. On n'est pas en train de voler sur un petit planeur. Là. Non. C'est très terrien. Le zen peut-il être attractif dans notre société ou, pour utiliser le langage actuel, peut-il être vendeur ? Incroyable. Est-ce que ça rapporte le zen ? Alors, je ne sais pas si les gens qui posent la question, par exemple, de symbole, s'interrogent sur le symbole de l'argent. Parce que là, il y en a qui s'inclinent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est tellement une inclinaison quasi permanente à notre époque, et notamment en Occident, que au lieu de prendre le terme attrayant, ou enfin, un terme comme ça, quoi, non, on est dans le terme de la marchandisation. Tu vas payer cash, il va prendre cher. Enfin, c'est complètement fou. Le nombre d'expressions qui sont relatives à la marchandisation et à l'argent. Ça pénétrait profondément chez les gens. Bon, donc ce truc de vendeur, je le mets de côté, comprenez. Bien. Et la question, c'est quoi ? Est-ce que le zen peut-il être vendeur ? Est-ce que le zen peut être attractif dans notre société ? Voilà. Que pour les finalement, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui dans notre société être attirés par ça et... Voilà, c'est une meilleure façon de présenter les choses. Ben, s'ils ont un besoin, une aspiration, oui. S'ils n'ont pas de besoin, pas d'aspiration, non. Y a-t-il des gens qui ont besoin des... C'est une autre question, effectivement. Comment le zen répond aux propositions a priori contraires qui sont toujours plus vite, toujours plus de productivité, de projets, d'anticipation, et maintenant ? Le maintenant, il n'existe pas. Le présent, il n'existe pas. Il n'existe que des suites d'instants. La Terre ne s'arrête pas de tourner. Notre système solaire n'arrête pas d'évoluer, de se déplacer. Le maintenant, il est insaisissable. Le présent, il est insaisissable. Vas-y, reprends la question. L'autre partie, c'est toujours plus vite, toujours plus de productivité, de projets, d'anticipation.
on a une image, il y a quelques dizaines d'années, ils avaient sorti une série d'enveloppes, et puis il y avait un petit personnage qui flottait, avec des jambes plus ou moins croisées, et il y a marqué Zen dessus. Enfin, il planait, quoi. Évidemment, c'est pas ça du tout. Mais l'entraînement à vivre son être et la situation qui se présente instant après instant va engendrer des actes qui vont s'enchaîner à la vitesse que la personne et la situation est capable de vivre. Pour que chaque geste décidé, donc il y a une réflexion avant, avec les voies principes, etc., soit réalisé de la décision à sa finalité. Donc c'est pas une question d'aller vite, de pas aller vite, ça peut être très rapide ou lent. Le principe, dans les enseignements, pour que l'être soit le plus présent, c'est l'attention. L'attention d'accompagner tout son être consciemment jusqu'à la finalité de ce qui a été décidé. Et ça y est, c'est posé. Donc on est un peu en dehors de ces considérations-là. Oui, c'est la notion du temps n'est pas du tout la même que dans ces considérations-là. Non. Comment le zen répond aux propositions a priori contraires qui sont toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus de déplacement, et ici? Ici c'est pareil, hein. La Terre elle tourne, et tourne autour du Soleil, et les deux partent comme ça en spirale, et les galaxies, etc., à des milliers de kilomètres heure, enfin bon. Ça c'est vraiment relatif, hein, si c'est ici. Là la réponse c'est que l'être est dans ses orteils. C'est le véritable ici. Pas la peine de courir. Non. On prend ses orteils avec. On court quand on a besoin de courir. On marche lentement quand on marche lentement. On s'allonge quand on a besoin de s'allonger. Les conditions sont réunies pour ça. On s'assoit quand on a besoin de s'asseoir. Mais on est toujours dans nos orteils. C'est le problème de que ce soit ici ou là, c'est pas un problème qui se pose. Ça c'est des problèmes de situation. Évidemment, on est dans les situations. Mais comment on est dans les situations? Comment on vit dans les situations? Comment on vit les situations? Là, c'est les véritables questions. Comment le zen peut apporter une réponse entendable quand les selfies se succèdent pour apparaître de plus en plus partout? Oh, les magnifiques mésanges, là. Hop, la couple. Peut-être que les mésanges, finalement, sont plus intéressantes que photographier sa propre trône. Qu'est-ce que ça dit de se photographier tout le temps? On se cherche, on veut se mettre en avant. Pourquoi on se cherche? Pourquoi on se met en avant? On peut se trouver par la voie du zen si ça résonne, c'est sûr. Et bien même au-delà de ce qu'on pense, évidemment, ou en deçà. Mais simplement s'il y a une aspiration à. S'il n'y en a pas, on continue de se selfiser. C'est entendable par les gens qui ont des oreilles. Même des petites. Pas besoin des grandes oreilles. Voilà, pareil qu'on entend mieux. Y a-t-il un autre chemin que celui de son propre cheminement pour rendre compatibles les éléments contraires? La notion de son propre cheminement, ça marche pas comme ça, quoi. L'être est un tas d'atomes
qui est en échange complètement, qui voyage complètement d'un corps végétal à un corps humain, vers un corps animal, de la terre, vers, etc. Ça bouge tout le temps. Donc la notion de son, de je, de moi, elle n'a pas de sens quand on la regarde. Et maintenant, on peut le savoir, il suffit de bien écouter les leçons de sciences naturelles quand on est au lycée, ne serait-ce qu'au lycée, et puis peut-être même avant, dans le processus scolaire. Et puis, on n'arrête pas de nous dire comment ça marche, les extensions. Mais la croyance en ce jeu, en cette représentation d'information qu'on a de notre être, fait qu'on ne se l'applique pas. C'est comme si ça existait pour tout, sauf l'humain. Ben non, ça marche pour tout le monde. On est dans ce processus-là. Donc, son propre cheminement, c'est pas un angle d'approche qui est correct. Maintenant, chaque individu changeant constamment, choisissant un chemin d'expérimentation pour se connaître lui-même et aller en deçà ou au-delà, forcément, c'est le chemin de l'individu. Ça peut ressembler à l'autre individu à côté qui fait des expérimentations proches, mais chacun, de toute façon, des individus a son propre ressenti, même si parfois ils peuvent s'échanger leur ressenti. Dans le Zen, il y a un petit adage qui dit « Deux amants qui dorment dans le même lit ne font pas les mêmes rêves. » Deux cheminants qui cheminent sur un chemin qui se ressemble n'ont pas le même vécu. Et pour ce qui est de rendre compatibles des éléments contraires, c'était une des parties de la question. Ouais, il faudrait savoir qu'est-ce que ça veut dire que ces éléments contraires, quoi. Dans la dynamique du vivant, il y a forcément des moments du vivant, d'un vivant à l'autre, d'une partie du vivant à une autre partie du vivant plutôt, qui sont en compétition, en conflit, et qui semblent être contraires. Mais en même temps, si on prend du recul, on peut se dire, oui, il y a une complémentarité dans cette dynamique conflictuelle. Donc il faudrait savoir ce que ça veut dire le contraire. Je vais pas un contexte un peu plus précis. Oui. Comment prôner la simplicité dans une société avide d'accumulation et de complications? Il n'y a rien à prôner. À vivre conformément à ce qu'on a choisi pour évoluer et le plus en cohérence. Il n'y a rien à prôner. Un jour, j'étais dans un café, et j'y vais rarement, mais bon, là, je suis allé prendre un café, je ne sais pas pourquoi. Je tournais mon café, et je le bois, et je le repose, et quelqu'un qui était à côté de moi m'interroge, mais comment vous buvez ce café, vous? Voilà, il était étonné qu'il y ait cette attention, cette présence dans le fait de déguster, de se nourrir d'une boisson. Une autre fois, c'était une autre personne qui m'avait vu conduire et qui était très surprise de me voir conduire mon fourgon dans une certaine attitude. Mais agréablement surpris, les deux. Il n'y a pas besoin de prôner. Lorsqu'il y a une cohérence comme ça, dans la vie quotidienne, eh ben, il y a des gens qui voient cette cohérence, l'entendent, la ressentent, peu importe. Et puis ça crée des conséquences naturelles, mais il n'y a rien à prôner. Le prôner, ça voudrait dire finalement
qu'on conçoit la manière d'être supérieure à toutes les autres manières d'être. Surtout pas. Et s'il n'y a rien à prôner, peut-être est-il toujours utile de pouvoir incarner ou représenter des choses simples dans un monde où il y a beaucoup de complications et de... En fait, c'est de moins en moins fréquent peut-être de voir des choses simples aujourd'hui. Eh ben, c'est comme ça. Le jour où les gens en auront marre, peut-être qu'ils iront vers des choses plus simples. C'est pas. Est-ce possible, et si oui, comment communiquer quand les angles de vue de départ sont si éloignés les uns des autres? Ça s'appelle l'empathie, la communication, l'écoute, pour tenter de comprendre, de ressentir ce que l'autre essaye d'émettre. C'est un sacré boulot. Mais c'est peut-être avec ces actions-là que l'autre personne peut ressentir ça et peut se créer une communication, un dialogue. Finalement, reste-t-il seulement à faire de son mieux dans les actes et les actions communes et individuelles du quotidien, sans idée ni d'appropriation ni de résultat? On ne sait jamais si on fait de son mieux, finalement. On agit humblement, à partir des lois principes. Et puis voilà. On pourrait dire d'agir du moins pire. Parce que même si on fait de son mieux, on ne sait pas si ce qu'on a choisi, qu'on pensait être merveilleux en termes de conséquences, arrive à des catastrophes, par exemple. On ne peut pas tourner dans ce... On agit en fonction des lois principes et de nos capacités de l'instant à mettre en œuvre tout ça. Donc c'est pas le résultat qui guide nos choix de moyens d'action. Non, on ne le connaît pas au moment de la décision. Alors, il reste encore quelques questions. À l'heure de l'humain augmenté et du transhumanisme, promesse d'une vie meilleure, plus longue, voire d'immortalité, le zen peut-il encore apporter des réponses par rapport à la peur de la maladie et de la mort aujourd'hui? Je me souviens, il y a quelques décennies, un journaliste me pose des questions. Et je lui offre des gâteaux, des petits sablés. Il prend un sablé, il pose des questions, je prends un sablé, je l'écoute, et en même temps, je touche le sablé, je le sens, je le pose en bouche, je le déguste, je l'accueille, et ça va devenir la réponse à la question, finalement. Ou à ses futures questions. Je lui réponds, et à un moment, il me dit « vous n'êtes vraiment pas réaliste », me dit-il. Si vous mesurez bien les termes que vous utilisez, ouais, vous n'êtes pas réaliste, hein, ce que vous me dites. Et bien, écoutez, tout à l'heure, je vous ai offert un sablé. Vous vous rappelez? Ah oui, oui, oui. Je vais mimer. Vous avez pris le sablé, vous avez dit merci, je crois. Vous l'avez pris. Quel goût avait le sablé? Quel toucher avait le sablé? Quel parfum avait le sablé? Eh bien, il ne savait pas. Qui est dans le processus simple de réalité, dans l'acte de se nourrir d'un sablé?
Vous, vous l'avez bouffé. Vous êtes considéré comme une chaudière, finalement. Parce que ça, c'est la réalité. C'est ce que c'est du réalisme, ça. Ça, c'est un morceau de la réponse. Parce que vivre pleinement d'instant en instant, et je dis pas en dehors du monde, hein. Tout à l'heure on a expliqué, hein. Je crois savoir ce que c'est que de torcher des enfants, les élever, les accompagner, des petits-enfants aussi, et la société, et les problèmes de la société, et je crois savoir une petite partie de tout ça. On peut le vivre pleinement. On est complètement dans la réalité comme le sablé qui va devenir nous. Ça serait utile. Dans nos sociétés occidentales, les spiritualités disparaissent peu à peu. En quoi le zen, Vekijo, pourrait-il être une alternative pour celles et ceux qui cherchent des réponses par rapport au sens de la vie? Le mot spiritualité... Depuis une vingtaine, une trentaine d'années, les mots qui sont là-dedans, dans un dictionnaire, sont utilisés à tort et à travers dans d'autres sens. C'est extrêmement curieux. Parfois, je crois que le mot spiritualité, c'est la même chose. C'est, comme tout à l'heure, le terme vendeur, donc acheteur, une sorte de commerce, quoi. Spiritualité, c'est l'état d'action de l'esprit. Je ne me rappelle plus de la question. Dans nos sociétés occidentales, les spiritualités disparaissent peu à peu. Oui. En quoi le zen, l'ekijo, pourrait-il être une alternative pour celles et ceux qui cherchent des réponses par rapport au sens de la vie? Lorsque l'état de l'esprit est conscient et se met en action, on est dans un domaine de spiritualité. Donc, comme j'ai présenté le processus des enseignements, etc., du Zen Vekijo, j'ai l'impression qu'on peut mettre le mot spiritualité en parallèle de ça. Concernant d'autres spiritualités, je ne peux pas en parler, parce que j'en sais rien. Dire que ce que j'ai mis en fait. Et ben voilà, Monto de Pazzo, on a fait le tour de toutes les questions qui nous avaient été transmises. Et bon, on est bien content que tu aies pu nous apporter un éclairage un peu différent sur tous ces sujets-là. Voilà, ça va enrichir les questionnements, points de vue et de toute une série de personnes. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Santé.
Thank you.